Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans l'émission Le Débat. Vous le savez, le 9 janvier 2022 dernier à Accra, au Ghana, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a pris des décisions contre le Mali. Décisions au rang desquelles on peut citer la fermeture des frontières terrestres et aérienne entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO, la suspension des transactions commerciales, le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, objectif faire pression sur le pouvoir militaire qui a décidé de prolonger la transition de 5 ans. Comment ces sanctions sont-elles perçues par la classe politique malienne? On en parle dans cette émission, Le Débat, avec nos invités depuis Bamako, la capitale malienne. Evelyne Zeynab Jacques, vice-présidente du regroupement politique ARP, en signification Action républicaine pour le progrès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous allez débattre des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali avec M. Seydou Badini. Bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, Madame. Vous êtes membre du Conseil national de transition. C'est bien cela. Je suis membre du Conseil national de transition, mais je ne voudrais pas parler ici au nom du Conseil national de transition parce que je ne suis ni mandaté, ni en passe de parler et d'engager mon président du CNT, parce que je n'ai pas qualité à parler du CNT sur ce plateau. D'accord, c'est bien compris. Juste... Merci voilà, à tous les deux d'avoir accepté de débattre de la situation au Mali sur les antennes de l'Intelligence TV. Mais avant d'engager le débat, je voudrais vous inviter à regarder avec moi cet élément vidéo qui tente un peu d'expliquer ce qui se passe en ce moment au Mali. Le pouvoir malien a annoncé le lundi 10 janvier 2022 le rappel de ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et la fermeture de ses frontières avec ses voisins de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en réaction à sa mise sous embargo par les dirigeants ouest-africains réunis la veille à Accra. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes et rappelle ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO, affirme un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement en uniforme le colonel Abdoulaye Maïga. La junte annonce aussi fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CEDEAO. La CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont pris dimanche 9 janvier 2022 une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Les mesures sont la conséquence notamment de la promesse non tenue des colonels d'organiser le 27 février 2022, des élections présidentielles et législatives qui auraient ramené des civils à la tête du pays. La CEDEAO, qui maintient les échanges commerciaux des produits de première nécessité, a aussi décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres vont rappeler leurs ambassadeurs au Mali, théâtre de deux coups d'État militaires depuis 2020 et en proie à une profonde crise sécuritaire. Ces sanctions prennent effet immédiatement, ont-ils précisé. Elles ne seront levées progressivement que lorsque les autorités maliennes présenteront un calendrier acceptable et que des progrès satisfaisants seront observés dans sa mise en œuvre. Alors, Madame Evelyne, on commence avec vous. Quelle analyse faites-vous des mesures qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali le 9 janvier dernier? Bonsoir tout le monde, tous les téléspectateurs ou toute personne qui nous regarde ici au Mali et en Côte d'Ivoire. Ce que moi je peux dire sur les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, déjà je dirais qu'aucun peuple dans le monde entier n'accepterait de se mettre sous embargo par ses frères sous-régionales. Donc, la population malienne vit très mal cette situation. Déjà, nous avons, pour les chefs de famille, les denrées alimentaires ont commencé à grimper sur le marché. Et nous sommes dans un pays où le terrorisme a posé ses nids depuis 10 ans aujourd'hui. Donc, nous sommes en guerre avec des terroristes qui menacent aussi la sous-région. Donc, je me dis que la sanction prise par la CEDEAO,
c'est beaucoup plus fatal pour la population en fait que le régime en place. Pourquoi? Parce que c'est le régime en place ne sentirait pas à ce point le poids de ces sanctions dans la mesure où le Mali est un pays où les gens vivent du jour au jour. En tout cas, 80% des Maliens vivent du jour au jour. Et pour quelqu'un qui cherche la popote de la maison tous les jours et qui se fait voir, qui se fait mettre sous sanction économique, c'est vraiment catastrophique. Et par contre, le régime, quel qu'en soit Alpha, ils sont pas en manque de liquidité. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ils seront pas en manque de produits de première nécessité pour mettre à l'abri leur famille. Par contre, combien de Maliens aujourd'hui souffrent de cette sanction qui n'arrive pas à joindre les deux bouts tous Alors, les Madame jours? Evelyne, je vous ai Donc, entendu dire que ces sanctions sont beaucoup plus fatales pour la population que le régime en place. Qu'est-ce que vous auriez voulu comme sanction à l'endroit de ce régime? moi, déjà, je ne suis ni pour les sanctions, déjà. Je ne suis pas pour la sanction parce que je suis plus pour le dialogue. Je suis plus pour le dialogue parce que un bras de fer, déjà, ça n'a jamais, ou une guerre ou une mésentente n'a jamais géré une situation. Elle ne fait que l'empirer. Et je dirais que la responsabilité vient du côté du Mali parce que nous sommes dans une organisation internationale. La CEDEAO a pris naissance au Mali ici, pour ceux qui ne le savent pas. Et le Mali aussi a eu à partager, à fermer ses frontières à d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, quand nous avons la présidence avec le président Alpha Omar Konaré en 1999, quand Guy Robert avait fait son coup d'État à Béziers. Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre la Côte d'Ivoire et j'étais là-bas, je me rappelle très bien que j'ai été bloquée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en rentrant dans mon pays parce que les sanctions avaient été prises contre la Côte d'Ivoire qui commençait une guerre civile. Voilà. Donc, je dirais que nous avons pris des engagements face à la CEDEAO que nous n'avons pas pu honorer. Et Et pour c'est cela, ça vous qui a tenez pour abouti. responsable le régime en place relativement aux sanctions qui ont été prises. Alors, on va permettre à Je. Monsieur Seydou Badini de réagir à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Monsieur Seydou? Oui, monsieur Koné, je suis là. Oui, alors vous avez Je entendu voudrais. Evelyne, elle estime dans son analyse que le régime en place est responsable des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO. Certainement que nous ne vivons pas dans le même pays, mais juste avant, je voudrais dire ceci. M'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu, M. Ibrahim Boubacar Keïta, et puisse Dieu lui fasse miséricorde et que Dieu l'accueille en son paradis. Et dire que, d'abord, un, ces sanctions nulle part n'apparaissent, ne seraient prévues dans aucun texte. Et je ne vais pas me faire harakiri moi-même, mais il est quand même d'indécence morale qu'aujourd'hui, des non-qualifiés, des disqualifiés au sein de la CEDEAO, d'abord, on déporte une réunion de l'UMOA qu'on amène au niveau, une organisation économique. Qu'on transporte au niveau de dans une zone non UMOA et c'est au Ghana et on veut sanctionner le pays. Ces sanctions, elles ne sont ni fondées, elles n'ont ni de base, elles n'ont aucun fondement juridique. Elles sont iniques, illégitimes, juste pour défendre les intérêts de la France. Et parce que Défendre la les France intérêts de pense la que France. Monsieur Badini, vous avez quelle preuve, quel élément de oui. preuve pour justifier votre thèse? Les éléments de preuve sont là et vous n'êtes pas sans savoir que le président nigérian, non un des moindres défenseurs de l'UMOA et de la CEDEAO, lors d'une conférence de presse en tête à tête avec les Français, le président français, il a dit que nulle part il n'est prévu de fermeture de frontières, encore moins de sanctions économiques. Il y a des sanctions individuelles. Le Mali est déjà sous sanction. Les dirigeants dont parle. Madame Evelyne, je suis et regrette de le dire. Comment est-ce que et vous voulez que des dirigeants au pouvoir, parce qu'ils ont fait un coup d'État, le coup d'État est venu comment? Et qu'ils ont des familles,
Vous croyez que. Excusez-moi du peu. Vous croyez que. Ils ne vont pas ressentir. En quoi ils ne ressentiraient? Ils ont fermé la frontière de la réciprocité, les frontières maliennes aussi ont été fermées. De part et d'autre, et ça, je voudrais que ça soit clair. Le Mali aujourd'hui, au niveau des échanges commerciaux, il n'est qu'avec le Sénégal, c'est 20% du budget sénégalais. On n'a qu'à continuer, on va voir. Le Mali aujourd'hui, c'est 75% du trafic entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vos bananes plantées, les noix de cola, les achekés et tous les autres produits là. Vous croyez que cet embargo là ça ne changera ni la tasse de café, nous notre repas du midi, parce que nous sommes un pays fier, digne, et nous ne serons pas à la solde. Nous ne sommes pas des valets, nous sommes un peuple digne et nous allons riposter. C'est bien compris, monsieur Seydou Badinim. Écoutez-moi. Juste un éclaircissement. Elle a parlé d'augmentation des prix. Alors, on a perdu. Oui, il est là. Allez-y rapidement. Oui. Un pays sous embargo, en quelques jours, quand est-ce que ces produits-là sont rentrés au Mali pour qu'il y ait une augmentation? Si les gens font de la surenchère parce que ça les intéresse, ils le veulent, le gouvernement a pris des dispositions. Et tout commerçant malveillant qui ne respecterait pas les consignes, il répondra parce que c'est des criminels. Voilà. C'est bien compris. Voilà ce que alors, Madame Evelyne, ouais. La junte militaire qui est au pouvoir en ce moment justifie sa volonté de prolonger la transition à 5 ans par le fait qu'il y a des soucis de sécurité au Mali en ce moment. Est-ce que pour vous, c'est une raison qui tient? Déjà, je dirais que oui, il y a l'insécurité au Mali. Je dirais qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus insécurisés. Si vous êtes d'accord qu'il y a l'insécurité au Mali, vous estimez que ces sanctions ne sont pas justifiées? C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas pour des sanctions, quelle qu'en soit la nature. Mais nous sommes dans une organisation que nous avons délibérément regagnée, qui est la CEDEAO. Et nous-mêmes, en tant qu'État malien, avons déjà eu à participer à la sanction d'autres pays étant membre de la région, de la sous-région. On a eu à fermer nos frontières aussi à d'autres personnes parce qu'ils avaient aussi eu des approches de non-respect de leur engagement. Donc si aujourd'hui le Mali est fait face à cette situation, oui, nous le déplorons tous, mais il faut aussi que les responsabilités soient situées. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous avons manqué à notre parole, parce que nous avons donné 18 mois comme la transition, la fin de la transition. Il y a eu un cadre de concertation dont j'ai été membre et délégué pendant ce cadre de concertation qui, à la fin, il y avait la charte de transition qui en est sortie et qui avait établi vraiment et la composition du Conseil national de transition et tous les organes plus la durée de la transition qui était 18 mois qui a été validée et approuvé. Bon, si nous allons en dehors de ces 18 mois et que nous demandons jusqu'à 5 ans parce qu'il y a eu des assises qui n'ont pas été inclusives, je l'ajoute parce que ce n'est pas tout le monde qui a participé. Le cadre d'échange qui comporte que les gens le veuillent ou non, ce sont des parties qui sont très bien implantées. À part l'ADEMA et l'URD, qui sont les deux partis beaucoup plus représentatifs, tous les autres partis représentatifs du Mali se retrouvent dans le cadre d'échanges. Il faut que les gens le sachent. Il y a des partis de récipicés au Mali, on le sait, des gens qui n'ont pas de conseiller, qui n'ont jamais représenté personne, qui ont été à ces assises. Il y a certains aussi qui ont participé pour une bonne foi, qui ont dit « bon, nous allons quand même aller aux assises parce que c'est un dialogue, nous allons participer ». Et nous, on a vu de loin qu'il y avait déjà une...
un chronogramme de prolongation qui était déjà engagé par Alors, rapport Madame, à ces Madame assises. Evelyne, excusez-moi de vous couper. Comment vous pouvez, à votre niveau, expliquer cette volonté de la junte militaire de prolonger? Le délai, il était censé prendre fin le 27 février avec des élections présidentielles. Mais là, on demande 5 ans. Pour vous, ça s'explique comment? Le cadre d'échange a refusé de participer en demandant au chef de l'État, quand on l'a rencontré, en lui demandant de retirer le fait de la de demande de la prorogation de la transition dans les assises. Et ça n'a pas été fait et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas participé. Et malgré que ceux qui ont participé à ces assises de bonne foi, des partis politiques qui ont participé, dont le parti de l'ancien premier ministre de Ibeka, qui était un membre du RPM, a participé de bonne foi. Et M. Maïga a fait un communiqué pour dire que les 5 ans proposés par la junte à la CEDEAO en disant que ça vient du peuple malien et des assises n'étaient pas fondés car pendant les assises, les recommandations étaient de 6 à 12 mois. Donc, où est-ce que les 5 ans viennent? Ça, c'est une très bonne question parce que nous, ceux qui ont participé et nous qui n'avons pas participé, ont été étonnés de voir que la junte a proposé 5 ans pour la prolongation de la transition à condition que la sécurité du Mali soit établie. Parce que ça veut dire que même les 5 ans ne sont pas sûrs. Et ce n'est pas un chronogramme électoral qui a été proposé à la CEDEAO, mais un chronogramme politique. Parce qu'un chronogramme électoral stipule qu'il y a tout ce qui doit se faire depuis le début de la convocation du collège électoral jusqu'à la fin du deuxième tour, la proclamation des résultats. Donc ce chronogramme n'a pas été donné à la CEDEAO, c'est plutôt un chronogramme politique. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Seydou, c'est un chronogramme politique que le régime militaire a proposé à la CEDEAO et non un chronogramme électoral. Monsieur Seydou Allô? Badini? Oui, je suis là. Oui, Evelyne disait à l'instant que c'est un chronogramme politique que le régime militaire a proposé à la CEDEAO et non un chronogramme électoral. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je voudrais rectifier, madame. Parlons peu, mais parlons bien. Je pense, à moins que je ne sois pas dans le même pays que elle. Écoutez-moi bien. Il y a eu des événements malheureux. Un coup d'État, on ne s'enorgueille pas. On flatte pas un coup d'État. Mais le coup d'État est venu par suite d'événements. À moins que je sois dans un autre pays qu'elle. Il y a eu une rupture. On est allé, il y a eu une charte. Il y a eu il y a eu une convention. Et à la suite de cette convention, il y a eu une charte. On a donné un chronogramme, on a dit les élections, on a donné une date pour les élections. Entre-temps, il y a eu une rupture. Quand est-ce que le délai va courir? Il y a eu une jurisprudence. Est-ce que c'est au dernier moment où il y a le premier coup d'État ou la seconde intervention des forces armées pour rectifier le tir, comme le dirait l'autre, pour qu'on aille au mois de février? Peu importe. Nous avons dit, le président Hassimi, que je salue la clairvoyance, a dit ici et a dépêché auprès de la CEDEAO quand la CEDEAO était venue, élection, élection, élection. Il a été dit, la même CEDEAO, quand les gens étaient sortis contre Boubacar Keïta, a exigé que plus d'élections au Mali, tant que certaines corrections au niveau politique, au niveau des questions électorales, ne seraient pas mises en œuvre pour de nouvelles élections. Quand bien même, on a fait des assises non inclusives, comme elle aime à le dire. Ces assises-là, quand il y a eu des résultats, où est-ce qu'on a mis les résultats? Les résultats ont été mis au calendrier grec. Malgré tout, ceux qui n'ont pas participé n'ont jamais parlé. Il n'y a pas d'unanimisme. Alors, M. Seydou, pourquoi le régime militaire demande 5 ans? 5 ans, pourquoi? Quelle garantie ce régime n'a pas donné aux assises. Populations maliennes pour dire que dans 5 ans, il va organiser des élections? Non, non, je mets madame en défi de prouver que le colonel Hassimi n'a jamais demandé 5 ans. Le colonel Hassimi a transmis les résultats des assises qui ont dit de 6 à 5 ans. Jante, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Si on vous donne de 6 à 5 ans, monsieur Kone, dites-moi,
demandez à Mme Evelyne, il y a eu des assises qu'elle dit aujourd'hui, il y a pas d'inclusivité. Tous les partis politiques dignes de ce nom au Mali, il y a au CNT ici, il y a des membres de tous les partis politiques. Peut-être elle n'a pas de représentants, mais tous les autres partis politiques là, s'ils ne se sont pas déplacés pour les assises nationales, à la base, au niveau des sections, au niveau régional, au niveau communal, ils ont participé bel et bien, ils ont émergé. Nous avons les PV de ces militants-là. Donc, M. Badini, à vous entendre parler... 6 à 5 ans, oui. M. Badini, à vous entendre parler, cette proposition de 5 ans est une décision collective. C'est une décision plus que collective. C'est une décision nationale qui est sortie à partir d'assises nationales. D'accord, c'est bien compris. C'est bien compris. Oui. On va permettre à Mme Evelyne de réagir rapidement. Quand M. Badini s'agite en disant que oui, parce que je n'ai pas de représentant... Non, de grâce, je ne dis pas que je m'agite, je ne vous ai pas dit ça, ce n'est pas bon. Ok, c'est bon, là, c'est quand vous dites que Badini, je ne m'agite pas. Quand alors, non, M. Badini, vous allez laisser Mme Evelyne aller au bout de son argumentaire. Non, je voulais que le débat soit oui, non, on a bien compris. Pas de truc, voilà. Hein, elle va voilà. Retirer ce mot, c'est bien compris. Mme Evelyne, allez-y. Je peux parler, s'il vous plaît? Allez-y, Mme Evelyne. Quand M. Badini dit que nous n'avons pas de représentants au sein du CNT, c'est pourquoi que nous sommes en train de dire. Nous savons très bien comment le CNT a été mis en place. La preuve, le premier ministre actuel du gouvernement, M. Choguel Kokalamaiga, a été le premier à le dire, que ce CNT est illégal et illégitime. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit et il l'a souligné, même dans des débats télé, que c'est illégal et illégitime. Pourquoi? Parce que la charte avait mis en œuvre la composition de ce CNT. Et la composition du CNT n'a pas été respectée parce que ça avait été dit que les partis et les groupements politiques devaient envoyer leurs représentants, ce qui n'a pas été fait. Les gens ont été pris par des relations personnelles qui se sont retrouvées dans le CNT. Et ces mêmes personnes qui sont dans le CNT, certains même ont dit qu'ils ne sont pas là-bas au nom de leur parti politique et qu'ils sont là-bas au nom de la junte. Il y a un membre du CNT qui a dit à la télé devant les gens, et il y a des vidéos qui sont toujours disponibles sur YouTube, où il a dit que lui, il ne représente pas son parti, il représente plutôt, il est dans le quota de la junte, et ce n'est pas un militaire. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de ce genre de choses dans la mise en place du CNT, tout le monde le sait, ça a été dit même par le premier ministre actuel qui est au pouvoir. Donc, dire que nous ne sommes pas dans le CNT, c'est pourquoi nous sommes en train de parler, ça n'a rien à voir avec une histoire de CNT, on parle des assises qui viennent de se dérouler. Nous n'avons pas participé, comme on le dit. Mais ceux qui ont participé, ceux qui ont accepté de bonne foi d'aller à ces assises, c'est eux qui ont fait des communiqués, ce n'est pas nous. C'est eux qui ont démontré que dans aucun moment, les cinq ans n'ont été lus comme résolution finale de ces assises. Ça a été dit 6 mois à 12 mois. C'est ce que les gens ont dit, les gens qui ont participé à ces assises, ce n'est pas nous. Ne nous dites pas que oui, que nous, on n'a pas... Non, je ne parle pas de nous. Je parle que de ceux qui ont officiellement participé à ces assises. Nous n'avons pas participé. Le cadre d'échange a été clair. Nous avons un mémorandum qui existe jusqu'à présent. Et nous avons même rencontré le chef de l'État à ce sujet où on lui a remis le mémorandum du cadre pour lui dire que pourquoi nous ne participerons pas à ces assises. Alors, voilà. Donc, Madame Evelyne, est-ce que vous n'avez pas l'impression... que ces 5 ans sont soutenus par le peuple au regard de la grande mobilisation à laquelle nous avons eu droit le vendredi dernier à Bamako. La grande mobilisation, je ne dirais pas qu'il y avait un rapport à voir avec les 5 ans, parce que la grande mobilisation, comme vous le dites, a été faite. L'appel a été fait aux gens de sortir à travers un conseil des ministres extraordinaires, et le conseil était clair, c'était de soutenir le peuple malien face à la sanction de la CEDEAO. Les Maliens sont sortis face à la sanction de la CEDEAO. Et oui, comme je vous l'ai dit, aucun peuple dans le monde n'accepte une sanction, c'est-à-dire un embargo financier et économique sur son pays. Et comme je vous l'ai dit, c'est plus fatal pour la population de base que le régime en place. Donc voilà pourquoi les Maliens sont sortis en nombre. Monsieur Seydou Badini, pour Mme Evelyne, cette mobilisation qu'on a eu droit
avoir le vendredi dernier n'est pas l'expression d'un soutien du peuple au régime en place, mais plutôt c'est contre les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO. Monsieur Koné, à moins qu'on soit aveugle celui qui ne veut pas voir et sourd celui qui ne veut pas entendre, cette mobilisation qu'on serait qualifiée où des hommes et des femmes de tous les âges, de tous les niveaux, de tous les niveaux sont sortis pour faire bloc derrière le président de la transition, derrière le gouvernement, derrière le peuple, pour dire non, non à ces sanctions illégitimes, iniques, Non, non, non iniques. à ces sanctions et non oui aux 5 ans proposés par la junte militaire. Et monsieur Koné, les assises se sont tenues, il a été dit, et je suis étonné d'entendre Madame Evelyne dire que des participants à ces assises auraient affirmé haut et fort, j'étais dans la salle, il a été bel et bien dit, une des recommandations phares, c'est de 6 mois à 5 ans pour une durée éventuelle de la transition. À moins que je n'ai été sourd lors de la lecture des résolutions, mais nulle part il n'a été dit 6 à 12 mois. Maintenant, moi je dis, le peuple malien, de manière, nous sommes un peuple souverain. Et nous avons dit, les gens se sont exprimés à travers des assises. Ils ont fait des recommandations. Le président Assimi n'a pas fait autre chose que de transmettre et bien avant a pris soin de dire à la CEDEAO, le gouvernement malien ne saurait tenir des élections à date comme convenu le 27 février. Impossibilité. D'abord, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il a été dit, c'est des recommandations de la même CEDEAO, car ça a chauffé pour dire que plus d'élections au Mali sans que certaines conditions ne soient réunies. Comment voulez-vous un pays occupé aux deux tiers? Comment voulez-vous un pays où il n'y a pas de fichier électoral? Comment voulez-vous où la Cour suprême dans un pays qui tient toujours un troisième rang de résultats, qu'on aille dans ces conditions-là, élection pour élection, parce que pour Mais, ce mais, moment, mais, on monsieur veut faire Badini, plaisir. monsieur Oui, Badini, monsieur oui. Badini, vous étiez, Oui. la junte militaire était beaucoup consciente de toutes ces difficultés que vous évoquez, mais cela ne l'a pas empêché de fixer la date du 27 février pour tenir des élections. Pourquoi maintenant venir dire qu'il y a tous ces problèmes, on ne peut pas tenir les élections? Est-ce qu'il n'y a À pas un manque de l'impossibilité, sincérité au sein de la junte militaire? non, 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 à l'impossibilité n'est tenu. Je vais vous dire qu'il y a jurisprudence. Quand on fixait le délai, mais pourquoi les gens voudraient, Jacques, pourquoi les gens voudraient se focaliser? Élections, élections, élections. Les élections sont faites pour qui? Mais il faut C'est pour le peuple malien. bien sûr Ce n'est pas pour... un retour à l'ordre Oui, constitutionnel au Mali. on est d'accord, mais 30 ans d'ordre constitutionnel, ça nous a amené où? 30 années où il n'y a jamais eu d'élection. Je regrette de vous le dire, mais Madame Evelyne le sait. 30 ans où il n'y a jamais eu d'élection crédible. 30 ans de crise post-électorale, où les familles sont déchirées, où des gens ne se parlent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Pas d'élection sans qu'il y ait un retour de stabilité. Pas d'élection tant que nous n'allons pas recouvrer notre politique, notre territoire. Pas d'élection tant que nous n'aurons pas de fichiers fiables, pas d'élection tant qu'on n'aurait pas, on ne serait pas sûr. Nous aussi, nous sommes des Maliens. Et c'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que je parle à mon nom, institut personnel, membre d'un parti politique. Nous aussi, nous sommes des Maliens. Nous ne sommes D'accord. pas d'accord avec ces tripatouilles d'élection qui ne nous mèneraient nulle part si ce n'est pas dans la rue. Et nous ne voulons plus aller dans la rue. Alors, Voilà. c'est Le bien message compris. est très Madame clair. Evelyne, Et nous Madame soutenons, oui. Evelyne, est-ce que pour Oui. vous, ces sanctions qui ont été prises par la CEDEAO peuvent être efficaces? Elles peuvent pousser la junte militaire à abandonner? Déjà, avant juste de vous répondre à cette question, je voulais juste dire 2 mots à Monsieur Badini par rapport déjà au fichier électoral. Je suis vraiment étonnée et surprise qu'un membre du CNT, de surcroît un président de parti politique, ne sache pas que
Il y a eu un recensement général tout dernièrement où le fichier a été révisé. Donc, je suis étonnée de savoir qu'un membre du CNT, sachant être président de parti politique, n'est pas au courant de ça. Et deuxièmement, quand M. Badini dit que oui, je suis au courant que les élections étaient tripatouées, je reviens en arrière pour dire qu'en 2013, vous avez participé aux élections présidentielles qui a élu le président Ibrahim Feu, président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, que vous avez soutenu bec et ongles ici parce que vous dites que c'est votre frère, mais ça veut dire que vous avez participé aussi à au tripatouillage ou aussi à cette élection qui n'a jamais eu lieu et que vous avez soutenu. Donc cela veut dire que vous faites partie, ce que vous dites aujourd'hui ne tiendrait pas compte parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas d'élection, qu'il y a eu des tripatouillages, mais quand même vous êtes allé faire campagne, vous avez battu campagne pour ce régime, vous avez été auprès de ce régime. Et pour ne pas que ça soit, ce n'est pas des attaques personnelles, mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas la personne fiable à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a jamais eu d'élection au Mali. Allez, Maintenant, pour la question madame, on vous de a bien monsieur, compris. Maintenant, vous répondez à pour notre la question. Est-ce question que que ces vous m'avez sanctions posée, peuvent être efficaces? les sanctions ne pourraient. Peuvent être efficaces, mais je dirais, comme je vous l'ai dit, je suis contre les sanctions. Je suis contre les sanctions. Je suis pour le dialogue à 100%. Je pense que la meilleure chose aujourd'hui à la junte militaire, c'est de revenir sur ses pas. Il n'est pas encore trop tard. C'est de créer un dialogue à l'intérieur du pays, c'est-à-dire un dialogue franc entre les acteurs principaux, c'est-à-dire les représentants, nos guides religieux, nous avons les forces au vif de la nation, comme on le dit, de s'asseoir et de voir quel est le problème exact qui fait que nous ne pouvons pas faire ces élections et pouvoir corriger ces problèmes-là et maintenant proposer un délai raisonnable avec un programme bel et bien électoral, je n'ai pas dit un programme politique, un Et programme selon vous, électoral pour ce les délai élections à venir. pourrait être combien d'années, combien de mois, selon vous? Moi, je me dis qu'un délai de 12 mois est raisonnable pour aller pour un retour à l'ordre constitutionnel. D'accord, Donc, c'est aller compris. au-delà de 1 an, ce serait même le président algérien qui, le Mali, est un ami de la junte, du Mali, de l'État malien, l'a dit qu'il voudrait que une transition longue ne serait être supportable. Il faudrait que le Mali aille aux élections en 2022. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président, c'est le gouvernement algérien qui l'a dit dans un communiqué. Alors, c'est bien compris. Monsieur Seydou, est-ce qu'il n'est pas temps pour le régime militaire en place au Mali de revenir sur ses pas, comme l'a signifié Madame Evelyne, pour sauver le peuple malien qui souffre Le de peuple, ces sanctions? ce n'est pas un retour en arrière de la junte sur ses pas qui sauverait le peuple malien. Et je voudrais d'abord la rectifier, elle. Je n'ai jamais dit ici que j'étais le président d'un parti politique. Je suis membre fondateur d'un parti politique UMPC. Je suis le trésorier général. Et en tant que membre du CNT, ça n'a rien à voir avec les fichiers électoraux. Je suis au courant que chaque année, bon an, mal an, il y a une révision de liste électorale. Moi, je n'ai pas, pour le moment, à ce que je sache, il n'a jamais un projet de liste électorale n'a jamais été présenté au CNT pour qu'on le vote. Donc moi, je suis, ça c'est pas pour dire que elle est à côté de la plaque, mais je m'empresse de dire que ça, ce n'est pas réaliste, parce que je ne parle pas ici au nom du CNT, mais vous dire que je maintiens mes déclarations. Et quand elle fait allusion aux élections de 2013, pour une fois dans l'histoire du Mali, l'exception confirme la règle. Les élections de 2013, 77-80% du peuple malien qui a voté. Même s'il y a eu même s'il y a eu, même s'il y a eu des violations à supposer, mais pour une fois, ça a été cité partout. Même le président Ibeka, paix à son âme, a été décoré pour dire des années, 2 années après il a été cité en exemple comme étant un vrai démocrate. Je m'empresse de dire que si ce n'est pas en 2013, toute ma vie, je n'ai voté, j'ai toujours été là auprès d'Ibrim, mais les gens le savent. Moi, je ne suis pas, je me dénie pas. Mais je dis, nous n'avons pas à reculer. Le peuple malien a fait, à travers les assises, a affirmé et s'est réaffirmé. Le peuple malien est souverain. Nous avons dit, 6 à 5 ans,
la junte a pris le soin de dire à la CEDEAO, nous ne sommes pas en même d'organiser des élections. Voilà ce qui a été, ce qui est sorti des assises. Mais junte, on veut me citer, on veut me parler de l'Algérie. Mais le Mali ne vote pas pour l'Algérie. Le Mali ne vote pas pour la France. Monsieur le Mali Badini, ne vote pas pour la CEDEAO. Oui. Monsieur Badini, je suis désolé de le dire. Cinq ans demandés par le régime militaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dictature au Mali? Ce n'est pas demandé par le régime militaire. Je voudrais que vous le corrigiez, que vous le compreniez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dictature au Mali avec ces 5 ans qui sont demandés? Je n'ai pas compris, vous dites? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dictature au Mali avec ces 5 ans qui sont demandés pour prolonger la transition militaire? Mais qu'est-ce que vous parlez de... Qu'est-ce que vous entendez par dictature? En quoi la junte imposerait sans la volonté du peuple? Pour un régime qui est venu au pouvoir de façon militaire par un putsch, il y a quand même lieu à craindre une dictature avec ses 5 ans. Je vous rectifie, les militaires ne sont pas sortis des casernes pour prendre les armes, venir mettre aux ordres la population malienne. La population malienne s'est rébellée contre un régime du fait des exactions, du fait des abus, du fait de la malgouvernance. Ils ont dénoncé, la CEDEAO aidant. Même la CEDEAO a trouvé qu'elle ne pouvait pas demander à Alassane Dramane Ouattara en personne, qu'elle ne pouvait pas demander la démission d'un président élu. Mais que si le peuple le demandait, ils s'étaient obligés d'entériner. Et c'est là qu'ils ont dit, plus d'élections au Mali, sans ces conditions-là, pour qu'on aille à des élections. Et lorsque le peuple s'est interposé, pour qu'il n'y ait pas effusion de sang, pour mettre fin à ces exactions, où on allait tirer sur des gens dans les mosquées, pour que le peuple, on cesse de le tuer. On a bien compris, donc, si on vous comprend, pour vous, il n'y a pas de risque de dictature au Mali avec ces 5 ans. Alors, Madame Evelyn, vous, quelle est votre position? Est-ce que vous craignez que la dictature s'installe au Mali pendant ces 5 ans qui sont demandés? Déjà, je dirais à M. Badini qu'il parle de les militaires ne se sont pas imposés, mais je vous dis que quelqu'un qui prend les pouvoirs par les armes, c'est plus qu'être imposé à quelqu'un, parce que nous qui n'avons pas d'armes, on est obligé de croiser les bras. Comme disent chez nous en Bambara, Marfa Diris et Sébert Domangou. Bon, voilà. Donc, quand je vois M. Badini dire que non, il n'y aurait pas risque de dictature, je dirais non, je suis désolée. On a peut-être pas vécu l'époque de feu Moussa Traoré, qui aussi est venu, qui est resté, et que les Maliens ont applaudi. Il y a même des gens qui sont sortis un mois successif pour l'applaudir ici, pendant qu'il ait pris le pouvoir, pour dire que non, c'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais après 23 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le monument des martyrs qui est là aujourd'hui, elle est là pour quoi? Elle est là pour rappeler les Maliens de ce qui s'est passé en 92, qui a fait que nous avons préféré un régime démocratique, qui a fait que nous avons préféré un régime où la liberté d'expression et les droits humains sont respectés. Voilà pourquoi on a refusé un régime militaire. Et dans la constitution malienne, il y a des corps qui sont interdits de faire la politique. Et dans ces corps, il y a l'armée. Quand vous rentrez dans l'armée, vous jurez de ne vous consacrer qu'à la protection du pays. Et c'est plus que patriotique, parce que quelqu'un qui porte la tenue militaire, qui va au front pour défendre la couleur ou le pays, ou même la population, il n'y a pas plus patriote que ce dernier. Il y a aussi des gens qui ont pris sur eux de faire de la politique, c'est-à-dire de s'occuper de tout ce qui est administratif et tout ce qui est de la vie démocratique. Donc, on ne peut pas quitter les casernes et venir au pouvoir avec les armes et dire que vous allez rester 5 ans. Oui, ça, c'est un début de dictature. Déjà, nous avons vu, pour ceux qui constatent ce qui se passe au Mali aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ont été obligées d'aller à l'exil, qui ont été obligées de sortir du pays pour pouvoir s'exprimer. Bon, dans un pays où les gens sont obligés de sortir, j'ai un jeune grand frère à moi aujourd'hui qui est en France, qui avait été arrêté il n'y a pas longtemps, il était à la MCA, il a été libéré, il est sorti du pays, il a fait une vidéo qu'il ne peut pas parler tant qu'il est au Mali parce que sa vie est menacée,
Et sa vie est menacée et aussi sa liberté est menacée. Donc, il a préféré sortir pour s'exprimer. Donc, nous vivons dans ça. Celui qui parle aujourd'hui reçoit des menaces de mort d'un peu partout, de C'est certains un peu jeunes qui la sont. situation que vous vivez aussi. Oui, j'ai vécu cette situation la semaine passée. Nous avons eu à faire, je peux dire, un appel aux jeunes qui ont la conscience, au fait, qui réfléchissent et qui font des analyses, de nous retrouver devant le monument des martyrs qui représente l'emblème de la démocratie au Mali ici, de rappeler à ces jeunes et à la population malienne que des personnes sont mortes pour que cette démocratie puisse exister et qu'il ne faut pas oublier que notre génération ne doit pas accepter que aujourd'hui, en 21e siècle, que cette dictature revienne. Et quand j'ai fait cette déclaration, j'ai eu des menaces de mort, des personnes qui m'ont menacé, moi et ma famille, des vidéos de tout part qui ont été faites par des gens, des activistes qui sont payés, des vidéomans qui ne sont même pas au Mali, on le sait, Payé par on est dans le qui? milieu Payé par politique. qui? Il y a certains vidéomans qui sont en France, certains sont au Canada, Ils sont payés par qui vivent qui? de ça, en fait. Pardon? Ils sont payés par qui? Oui, payés par des gens qui sont contre ce que nous nous disons. Ça, c'est Et qui sûr et sont ces certain, je gens-là? Qui sont n'indexerai ces personne. gens-là? Je n'indexerai, pardon? Et qui sont ces gens-là? Je n'indexerai personne. J'ai laissé la justice prendre acte de ça. Je suis partie porter plainte contre X pour toute violence physique ou morale qui me serait atteinte à ma personne ou à ma famille. Donc, je laisse la justice jouer son rôle dans ce sens, savoir qui est derrière et qui sont ces gens qui sont en train de menacer les personnes qui ont une avis contraire à eux. Parce que la démocratie, c'est aussi ça. Nous ne pouvons pas être du même bord, nous ne pouvons pas défendre les mêmes choses. D'accord, Ibeka n'a on vous a jamais bien mis qui que ce compris, soit en prison parce Madame qu'il saurait Evelyne. exprimer contre son régime. On vous a bien compris, Madame Evelyne. Madame Evelyne, Monsieur Seydou Badini, après la décision qui a été prise par la CEDEAO, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a réagi. On va écouter un extrait de son intervention et puis on revient pour le commentaire. La CEDEAO et l'UMOA se sont assumés, nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé, n'a jamais failli. Nous appelons la CEDAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Alors, Monsieur Seydou, après ce discours du président Assimi Goïta, certains ont vite fait de dire qu'il s'est montré dans la posture d'un populiste. Oh, ben dis donc, j'entre ma tête. Vous voyez, vous êtes un journaliste, où vous avez senti le populisme dans ce qu'il a dit? Moi, Il reste je ne ouvert fais à un que dialogue. rapporter Attends. Oui, l'opinion mais des gens. J'ai bien non, dit, pour Monsieur dire. Seydou Badini, qu'après son Oui. intervention, pour une certaine opinion, Monsieur le colonel Assimi Goïta s'est montré populiste. Donc, moi, je vous donne l'occasion de réagir là-dessus. Ça ne vient pas de moi, mais d'une certaine Le SAFO. partie de la population. Oui, mais il m'est pas interdit de vous retourner une question, mais sinon je vais vous répondre. Le SAFO, toute idée de faire de la dissertation, mais de grâce, quand est-ce que les gens vont comprendre et descendre de leur piédestal que suite à des événements graves, que les militaires sont intervenus pour apporter de l'eau au moulin? Nous avons il a été bel et bien dit que de 6 à 5 ans. Mais comment vous voulez, on ne veut pas s'en accommoder. On dit non, Assimi a parlé de 5 ans. Où est-ce que vous avez vu écrit que le président Assimi a demandé 5 ans? Où? Ils ont transmis les résultats des assises.
qu'à cela ne tienne. Monsieur Kodé, je voudrais dire à Evelyne, moi je fais partie, j'ai vu le régime Modibo Keïta. Jamais dans un pays, un coup d'État n'a été applaudi comme ça a été fait en 68. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas un acteur du 26 mars, mais j'étais là, j'ai vécu le régime. Et nous avons vu en son temps les exactions commises par le régime Modibo Keïta du temps de Réa. Nous avons vu comment est-ce que, même pour avoir 3 kilos de riz par personne, comment ça se faisait, on pouvait faire 45 jours au rang, pour avoir 3 kilos. C'est passé, et les gens ont applaudi. Maintenant, on parle de Moussa Traoré dictature, mais de grâce, il y a eu des accords avant que Moussa ne chute. Ces accords-là ont été signés par Fémou Modibo Keïta. Moussa les a respectés jusqu'au retour du Mali au franc CFA. Mais les usines qui étaient à vocation sociale pour résorber le chômage, les Français ou les partenaires sont venus nous dire que nous avons besoin d'infrastructures libérales. Et les usines ont été liquidées. On s'est empressé de dire, ouais, ça c'est du fait de Moussa Traoré. L'un s'en fout. Mais on a qu'à revisiter l'histoire du Mali et beaucoup de choses se comprendraient. Maintenant, ce que moi je vais vous dire, et il n'est pas fortuit qu'aujourd'hui des hommes et des femmes pensent en bon droit, mais qu'ils comprennent qu'autant ils se sentent marginalisés, qu'eux aussi, et il y a d'autres qui sont d'avis contraire. Ce qu'elle dit, quand elle parle qu'elle a été menacée, heureusement qu'elle s'est empressée de dire qu'elle a porté plainte. Je ne parlerai pas d'un dossier qui se trouverait devant la justice. Mais aujourd'hui, cette gente-là est loin d'être une gente de dictature. Cette gente-là, le peuple malien est sorti comme un seul homme pour affirmer sa volonté, son adhésion à l'idéal qu'incarne cette gente. Parce que cette gente-là, et les grands intellectuels de ce pays ont tous dit unanimement qu'il faille donner le temps au temps, non pas pour qu'on s'éternise, mais pour qu'on puisse réparer afin que un pays qui est malade, le Mali est malade. Le Mali est malade à travers ses fils. Les gens le Mali est malade du fait de la junte militaire. Non. Dites-moi bien, dites-moi, M. Kodé, un militaire là, il signe son arrêt de mort quand il dit « je m'engage ». Dans les grandes démocraties, quand l'état-major général parle, un président élu ne parle pas. Hein. Il faut que cela soit clair. D'accord. Quand l'état-major général parle dans les grandes démocraties, un élu ne parle pas. Mais là-bas, l'armée est républicaine. Mais ici, on n'a qu'à créer. Et pour donner un exemple, en si peu de temps, jamais les forces armées maliennes n'ont été dotées par un gouvernement comme présentement. Alors, qu'est-ce que les gens veulent? On vous a bien compris, Madame Evelyne. Comment vous, à votre niveau, vous avez trouvé le discours du colonel Assimi Goïta après les décisions qui ont été prises par la CEDEAO? Oui, je n'ai pas compris. Non, là, on s'adresse à Madame Evelyne. Oui. Oui, donc, oui, j'allais dire que monsieur Badidi dit que dans les grandes démocraties, l'armée est républicaine. Ça veut dire qu'il reconnaît que l'armée malienne n'est pas républicaine, dans ses dires, bien sûr. Par rapport au discours du président colonel Assimi Goïta, oui, j'ai vu que beaucoup de personnes ont réagi sur la toile des réseaux sociaux, sur le fait du populisme, comme vous l'avez dit. Moi, dans ce discours, je vois plutôt un président qui est prêt à aller au dialogue. Parce que j'ai aimé la partie où il a parlé du dialogue. Et le ton sur lequel il a parlé n'est pas un ton agressif. Parce que tout ça, ça compte dans un discours. Quand quelqu'un parle, ce n'est pas seulement tout ce qu'il dit, mais aussi la tonalité et l'expression du visage. Nous voyons sur l'expression de notre président que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt vraiment, qui ne veut pas un bras de fer, qui ne veut pas quelque chose un combat entre nous et la CEDEAO déjà, et qu'il est prêt pour le dialogue. Maintenant, populisme, je dirais plutôt que ce sont des gens autour.
qui sont dans le populisme. Je ne dirais pas lui en tant que personne, parce que je n'ai pas vu d'élan de populisme dans ses discours. Et que ce soit ce discours, même ses discours précédents, mais plutôt son alentour des gens qui sont peut-être, qui ont peur de leur futur, de leur poste. Certains qui ont peur d'aller au chômage parce qu'aujourd'hui, ils ont un poste, ils se disent, bon, peut-être à la fin de ce processus, nous allons perdre ce que nous avons. C'est eux qui sont dans le populisme et on les voit. Et on les voit tous les jours. Donc, ceux qui ont peur aujourd'hui de se retrouver à la rue, parce que c'est des chômeurs à la base, des chômeurs techniques, sans ce régime, ils étaient au chômage ici, on les a tous vus. Donc, eux, peut-être, ils sont dans le populisme, mais je ne dirais pas que le président est dans le populisme. Je crois qu'il est dans une posture de négociation et de dialogue. Et nous l'encourageons dans ce sens. Comme je l'ai dit, il faudrait que le régime, c'est-à-dire nos militaires et le président, recule d'un pas et qu'il revienne sur la table de négociation. Donc, pour vous, la solution pour sortir de cette crise, c'est le dialogue. C'est bien cela. Pour moi, la sortie de toute crise dans le monde entier, c'est le dialogue. Tout ce que le dialogue ne peut régler, l'affrontement ou même un bras de fer ne pourra jamais le régler. Donc, pour moi, la solution aujourd'hui, c'est que la junte reviennent sur ses pas, qu'ils reviennent vers déjà les forces vives de la nation, parce que quel qu'en soit Alpha, comme Badini, M. Badini l'a dit, nous sommes tous des Maliens, nous pouvons avoir des points divergents. D'accord, bien compris, mais Madame Mbille, on vous a compris, votre position, c'est le dialogue pour sortir de cette crise. On va prendre rapidement l'avis de M. Seydou Badini. Seydou Badini, rapidement, nous sommes pris par le temps, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, quelle est pour vous la solution idéale pour sortir de cette crise? La solution idéale pour cette sortie de crise, le président Assimi l'a bien dit, il est ouvert au dialogue. Il en appelle au bon sens de la CEDEAO. Il faudrait que la CEDEAO ait juste la lecture suivante, que ce qui a été transmis par le ministre des Affaires étrangères, une délégation aussi forte, n'est ni plus ni moins que des recommandations des assises. La CEDEAO, elle n'a qu'à accepter de discuter avec la junte. Mais comment est-ce qu'elle peut rentrer dans l'illégalité nulle part dans aucun de ses textes? Elle s'est levée tout simplement parce qu'elle veut sanctionner. Sanctionner pour sanctionner. Et j'entends des intellectuels qui vont jusqu'à nous dire que cela est juste et raisonnable. Mais c'est grave parce que d'abord, à 8 mois, ça n'existe pas. Au niveau de la CEDEAO, ça n'existe pas. Et personne ne nous donne une indication où la CEDEAO peut sanctionner. Oui, des sanctions ciblées au niveau individuel. Mais pourquoi sanctionner un pays en guerre? Il y a la COVID. Un pays déjà fragilisé de par la gabegie, de par la mauvaise gouvernance. Un pays qui est très malade. Au lieu qu'on l'aide à se relever, on veut le punir pour peut-être l'humilier ou pour le rayer de la carte. C'est quand même, Monsieur Seydou, on vous a bien compris. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de transition, mais là, vous n'avez pas parlé en tant que membre du CNT, mais en tant que citoyen malien. C'est bien cela. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Madame Evelyne Zeynab Jacques, vice-présidente du regroupement politique ARP Action Républicaine pour le progrès. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et puis, on souhaite que tout revienne comme c'était avant au Mali pour le bonheur des populations. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps pour participer à cette émission. Le débat, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de l'Intelligente TV pour une autre émission de Le débat. À très bientôt. Au revoir. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.